Si je prends quelques exemples, la douane gagne des concessionnaires de véhicules qui doivent plusieurs millions de dollars. Comment? Là, ils ont acheté des machines, ils ont payé des gérés, mais ils ont dédouané à crédit. C'est là qu'ils ont vendu pour payer la douane, mais ils ont pile qui finissent machine, ils n'ont pas payé. Gagné BNC, ben, toutes les institutions de l'État, nous disons, travail nous concerne, nous avons travaillé de concert avec eux. Les BNC qui gagnent l'argent dans l'Oasis, 6 millions environ. L'ONA gagne environ 6 millions de dollars dans l'Oasis, mais BNC à l'ONA pour faire nos gouttes. La phyto, parler de gros ports, ils ont dit activité la main, ça va remplir l'argent, mais gagne environ 5 à 6 millions de dollars américains. L'ONA gagne dans la phyto. Il n'y a pas jamais joué un goutte. Maintenant, c'est l'État, à travers par exemple la BNC et l'ONA et l'autre institution, gagne environ 20 millions de dollars là dans l'Oasis. Pendant tout le temps, ça, c'est l'argent PAM, c'est l'argent PAL. Donc, c'est le travail, nous, c'est permettre que le recouvrement soit fait. Et pas seulement l'ONA, même la police nationale. Gagner des compagnies de location machines. Et pas seulement la police, mais dans l'État en général, l'État qui a loué et machines, et bien, il y a des factures qui a venu joindre l'État. Il n'y a pas de louer machine pour l'argent, ça ouvre. Son nègre qui font cob, son parlementaire qui font cob, en compagnie location machine qui c'est pour lui, c'est pour 11 000. Ça aussi, c'est facturation. Ça aussi, des infractions pénales. Eh bien, nous avons pour travail sous YouTube. Et dernier exemple, dans pile monde qui soit peut-être disant des contrats pour la police manger. Et puis, si vous avez pour 500 plats et dans le commissariat à Pétionville, vous avez 200 plats. L'autre 300 plats, l'État paye quand même. Ou bien, des gens qui ont vendu du riz sur la place, qui prennent plusieurs centaines, milliers de sacs de riz dans la main des MBAT pour plusieurs millions de dollars, pendant un paquet de temps, pas j'en paye, alors que nous-mêmes, c'est l'argent nous qui battons comme citoyens, on a acheté du riz à bien cher dans la même dans la rue. Bref, c'est un ensemble de questions comme ça qui est pour adresser, et nous autres, comme avocats, mais aussi comme citoyens, nous pensons que c'est des bagages qui concernent les citoyens, c'est des bagages qui concernent les collectivités, et moi-même, pour plaisir, dans le sens pour moi, informer la population, pour que les bagages ça, nous finissent de dire, ou pas, on ne peut pas s'en arrêter. Tout à l'heure, attendez, ou moins, on est là dans le dossier ça, et il est tellement chef, il n'y a pas besoin de cabinet ça encore. Mais au moins, la population est déjà au courant pour aller fouiller la zone de Calalo pour nous demander côté tout à l'heure ça va passer. Et si tu as comptabilisé, pour ça, moi, dans le document, l'agence de 2050, c'est plusieurs mille, centaines de millions, voire milliards de dollars américains que l'État a gagné. Là, par exemple, il y a des gens qui sont institutions de l'État pour mettre des marches là et nous sommes capables, et faut que nous fassions, si ça n'a pas fait, c'est demander aux gens pour le payer. Qui est capable de payer? Et par voie du ciel, sommet mounna pour le payer. Donc, on va le sommet et producteur d'énergie qui devait l'État 123 millions de dollars. Pour le restituer lui-même. Il y a nuance. Entre payer et restituer. Là où dit au monde, ou sommet mounna pour le payer, c'est au monde qui était droit au cob. Maintenant, l'homme de mounna pour le restituer, c'est au monde qui casse le cou pour le cob.